Et salut à tous, c'est Nadbar70 et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour le fameux tuto du mode, enfin plutôt présentation de mode. J'avais envie de faire la présentation de ce mode, donc bon voilà, je vous le fais. Je suis un peu de retour des fêtes, j'espère que j'ai pas mangé trop de chocolat hein, parce que c'est pas ouf hein, le chocolat, même si c'est très bon. Mais bon, sinon c'est pas le but de la vidéo de manger des chocolats, donc on va parler du mode. Alors le mode, c'est Project E. Voilà, donc il y a des petits items. Alors vous dites qu'il n'y a pas grand chose, mais le mode est assez bien complet. Vraiment, c'est... Ce mode est hyper bien fait, c'est pas genre... C'est cheaté, mais à la fois c'est dur d'avoir. Parce que ce mode permet de la duplication. Oui. Donc pour la duplication, on peut faire la duplication, mais pour certaines choses, genre si tu veux dupliquer du diamant, et ouais, bah ça va pas être aussi facile que tu le crois. Et ouais. Donc, on va commencer à faire le tuto tranquillement maintenant. Voilà. Donc, sans plus tarder. Je vais commencer avec on va dire le début du mode. On va faire progressive, on va dire dans une survie Minecraft normale. On va commencer tout d'abord par voir le coffre alchimique. C'est on devra passer par là tôt ou tard. Donc qui se craft comme ceci. De fer, un coffre. Bon là c'est un coffre spécial parce que j'ai rajouté quelques modes en plus de Project E, mais ça c'est faut pas faire attention à ça. Il faut du diamant, deux pierres quelconques, donc il faudra tester hein, parce que voilà, il y a plein de pierres qu'on peut utiliser, mais faudra quand même regarder. On a la poudre de base cavolescente qui se craft avec de la pierre et un charbon de bois qui vous donne 40 poudres. Donc cette poudre permet plein de petits crafts, mais nous voulons le coffre alchimique. Nous avons besoin de la poudre moyenne qui se craft avec ça avec un lingot de fer et de la poudre de redstone qui nous en donne encore 40. Donc bon, donc après ceci sert encore à la même chose en fait. Les poudres servent vraiment à faire que les crafts qui sont là, c'est à chaque fois les mêmes. Et après nous avons la poudre haute, donc qui se craft avec un diamant et un de charbon et qui vous en donne encore 40. Donc une fois que vous avez eu votre petit coffre, il est bien cool parce qu'il peut stocker plein de choses. On peut en faire deux choses. Premièrement, on peut en faire des sacs alchimiques. Donc ces sacs ils se craftent avec trois poudres hautes, le coffre plus la n'importe quelle laine, mais il faut que ça soit tout le temps la même couleur parce que ça influe sur la couleur du sac. Donc là vous avez cyan, là vous avez brun, vous avez magenta, vous avez vert citron, bon, etc, violet, jaune, bon voilà, vous avez plein de sacs. Et ce qui est bien avec ces sacs, c'est que genre c'est exactement le même place mais en portable, donc vous avez juste à faire un clic droit et vous avez on va dire votre coffre portable. Et ce qui est bien, c'est qu'on va dire que dès que tu en as plusieurs, bah, tu peux en mettre l'un à l'intérieur de l'autre. Donc ça veut dire que là tu peux ranger plein de trucs, mais là-dedans aussi. Donc en gros ça te fait un double coffre alchimique portable. Mais après je dis ça, un double coffre hein, tu peux aller avec 100 trucs. Bon, ça peut aller jusqu'à l'infini et l'au-delà. Mais bon, on va pas tarder sur ça. On va plutôt se regarder le deuxième craft de ceci. Donc on a les coffres alchimiques là, et normalement si je dis pas de bêtises, ah je l'ai vu passer,
c'est ceci, le condenseur d'énergie. Donc il vous faut votre coffre alchimique et 4 petits diamants et 4 d'obsidienne. Et avec ça, vous avez le condenseur d'énergie. Alors, condenseur d'énergie MK1. Alors, c'est pas être précisé, mais là, on voit qu'on a une version de une version 2, le MK2. Mais sinon, le MK2, on le verra juste après. Je vais le prendre, je vais le mettre dans l'inventaire, comme ça, j'oublie pas. Mais il nous servira par la suite. Donc, les coffres alchimiques, je vais les enlever. Donc, vous avez votre condenseur d'énergie, donc qui va condenser l'énergie, comme le dit. Donc, vous avez la même place et vous avez une place supplémentaire plus une petite barre. Vous allez voir, ça va nous servir ça. Du coup, ce coffre, à quoi il va nous servir? À part stocker. Eh ben, il va nous servir à faire la dupli de. C'est comme ce que je vous l'avais dit au tout début. Donc, pour faire la dupli, il faut pas juste un petit coffre comme ça, parce que là, vous voyez que la jauge, elle sert à rien. Voilà. Donc, vous allez devoir crafter le collecteur d'énergie MK1 qui va jusqu'à MK3, mais déjà si vous arrivez à faire le MK1, c'est déjà bien. Donc le MK1, il se craft comme ceci. Donc 6 pierres lumineuses, un bloc de diamant au milieu, un bloc de verre juste au-dessus et un fourneau juste en dessous, et ça vous fait votre collecteur d'énergie MK1. Et du coup, vous voyez qu'il va collecter l'énergie, qui va collecter l'énergie. Voilà, donc il collectera l'énergie mieux que la nuit. Enfin, il collectera mieux le jour que la nuit. Voilà, pardon de mon incompréhension. Voilà, du coup, alors vous avez vu que j'ai pu le placer comme ceci, on dirait une petite croix. Alors c'est normal, c'est parce que là, là, si vous arrivez à en faire 4, c'est déjà bien. Là, vous avez 4 petits collecteurs d'énergie MK1. Et du coup, qui va nous permettre à là-dedans de faire de la duplication. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Par exemple, prenons cette pierre, cette roche. Vous voyez juste en dessous, il y a écrit EMC 1. C'est, on va dire, l'énergie qu'elle contient. Et c'est énergie est égale à 1. Par exemple, si on va là-dedans et qu'on va prendre, je ne sais pas, le bloc d'améthyste, vous voyez tout de suite, c'est à 128. Vous dites, waouh, c'est énorme. Mais vous voyez le bloc de diamant, 73 000. Là, vous pouvez dire que c'est énorme. Mais attendez, il y a le bloc de Netherite, 516 000. Ouais, ça fait beaucoup. Très 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 beaucoup. C'est énorme même. Alors juste pour préciser, j'ai oublié de vous le dire juste avant. Le mode est disponible jusqu'en 1.19.2. Enfin, 1.19, quoi. Ça peut aller jusqu'à 1.3, je crois. Moi, actuellement, je l'ai mis en 1.19.2. C'est pour ça que j'ai dit 1.19.2, mais bon, voilà. On va pas tarder sur ça parce que le mode, il est énorme. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez qu'on a de l'EMC, c'est l'énergie que le bloc contient, on va dire. Et du coup, vous voyez que là, ça a mis de l'énergie. Donc, attendez, flash time 7 day. Voilà. Là, il fait jour, donc là, il va bien stocker de l'énergie. Et du coup, là, vous voyez, on va mettre la roche juste ici. Et pouf! Là, tu vois, là c'est juste 1. C'est normal que ça se remplit à une vitesse. Voilà. On a permis la duplication de la roche. Et là, vous voyez aussi que juste en dessous, stack 2MC, et ben en gros, votre stack, il coûte 64. Alors que là, 32. Parce que si on est logique, 1 c'est égal 1. Et si on avait 32, c'est 32 MC. Donc voilà.
C'est utile quand vous avez genre plein de blocs d'améthyste par exemple. Vous voyez que 1 c'est 128, mais là 1 stack, donc 64, c'est égal à 8192. C'est quand même pas mal. Je crois que c'est plus haut qu'un diamant. Donc si vous avez un stack de blocs d'améthyste, vous pouvez vous concocter un diamant. On verra ça juste après. Donc vous voyez là, on a encore pas mal d'énergie. On peut mettre ça. Donc c'est 128 là, tu vois, ça commence à être un peu long. Jusqu'à être au minimum. Du coup là, vous voyez, on a quand même généré du 3072, 3200 juste avec un bloc d'améthyste. Donc voilà, c'est pas mal tout ça. Mais si par exemple on met le bloc de Netherite, oh mon dieu, on voit même pas la barre. Tellement c'est long que là, je pense que même à la fin de la vidéo, ça sera pas fini. Donc bon, si vous voulez, je le laisse. On verra juste à la fin pour voir combien de temps ça met. Et ouais, parce que c'est très long. Bon, voilà. Donc vous voyez que c'est très long pour de la netherite, mais par exemple, on peut les améliorer, comme vous avez pu le voir juste après. Juste avant. Vous avez vu qu'il y a. On a trois. Il y a le MK1, le MK2 et le MK3. Alors on va voir comment on fabrique le MK2. Alors il va nous falloir le MK1. C'est pour ça qu'on le prend, parce qu'on l'améliore quoi. Et sept pierres lumineuses, plus une matière noire. Voilà. Une matière noire et vous avez votre collecteur d'énergie MK2. Alors comment nous fabriquons la matière noire? Déjà, vous pouvez voir que 139 264 EMC, ça fait beaucoup. Donc vous vous attendez à un gros craft. Alors là, vous voyez direct, on peut faire avec les blocs. Mais ça, c'est que les blocs, si vous en trouvez dans la nature, je sais pas comment. Je sais même pas s'il y a des structures avec Project E, mais je ne crois pas, parce que j'en ai jamais croisé. Et du coup, le craft, c'est un bloc de diamant. Donc, faudra farmer un peu de diamant là. Et du combustible Internalis. Ouais, c'est. On va dire le charbon ultime du mode. C'est genre. Il peut. Je crois. Ouais, 512 objets. Juste pour un petit charbon. Donc, imaginez, vous avez un stack de ce truc. C'est bon, là vous avez le stock, et en plus vous pouvez en avoir là, et ça là vous pouvez avoir un bloc donc qui permet de faire 4668. C'est énorme les gars, c'est énorme. Bon, sinon on va pas tarder sur ça, parce que le combustible alternatif Internalis, ouais, bon, c'est compliqué les noms, donc on va dire combustible alternative. Hein, on va faire plus simple. Donc, comment on le craft? Eh ben, on va devoir le crafter dans notre petit collecteur de trucs là. Donc, il va nous falloir. Alors, vous voyez qu'on bloque de charbon à chimique et tout ça. En gros, je pense que. Alors, dans mes souvenirs, vous pouvez utiliser de la poudre lumineuse, de la poudre à canon, de la redstone, de la poudre de blaze, comme on va dire combustible. Pourquoi ça ne produit absolument rien? Ah oui, c'est vrai que ça le fait sur celui-là. Donc, alors je vais m'autoriser, hein, parce que ça va être très long sinon. Je vais prendre les MK3 directement. Voilà, donc on a les MK3 et là ça produit déjà beaucoup. Donc normalement, le plus petit à mettre, c'est la poudre de redstone. Donc vous mettez ça et boum, vous avez déjà un bloc de redstone. C'est énorme. Et là, boum, poudre de blaze. Voilà, vous pouvez directement mettre une poudre de blaze là, mais après, vous pouvez aussi récupérer de la poudre de blaze comme ceci. Vous avez plein de craft. Bon, on va le laisser faire. On peut voir que là, avec poudre de blaze, on est déjà avec un combustible Mobius. La poudre à canon, poudre lumineuse. Voilà, etc., etc.
Et maintenant, bah, je vais vous montrer tous les crafts possibles avec le collecteur d'énergie. Donc, vous avez pu voir qu'on avait toutes les poudres. Alors, attendez. Poudre, poudre, poudre. Je vais prendre pas. Bah, on va prendre la poudre lumineuse parce que j'utilise souvent ça. Voilà. Non, je veux voir des crafts possibles. Voilà. Donc, avec une poudre lumineuse, t'as un charbon alchimique qui permet de faire un bloc de redstone. Le bloc de redstone qui permet de faire la poudre de blaze, qui permet de faire un bloc de charbon, qui permet de faire une pierre lumineuse, qui permet de... j'en perds le fil tellement il y en a. Un combustible Mobius qui permet de faire un bloc de charbon alchimique, qui permet de faire des qui permet de faire un combustible alternatif, et je suis même pas sûr si on peut même encore upgrade si vous voulez pour faire un bloc de combustible Mobius, et enfin pour faire le bloc de combustible alternative quand il vaut 9 et pas 8. Donc si vous arrivez à farmer jusqu'à là, c'est quand même pas mal. Ouais, on va pas se cacher que là vous avez ce qu'il faut pour faire le la matière noire. Donc après je crois qu'il y a même plus de craft. Non, ouais, il y a plus de craft. Donc vous voyez que là c'est en train de charger, voilà, etc, etc. Donc une fois que vous avez votre matière noire, on a plein de craft avec, mais nous on voulait simplement les MK2. Donc on va prendre ça. Et du coup, si je dis pas de bêtises, donc voilà, le MK2. Donc vous le craftez comme ceci, hop, hop, et vous avez votre MK2, et puis c'est parfait. Là. Vous avez votre truc là. Voilà. Alors vous voyez que là ça génère pas mal de. Parce que ça fait de la lumière, du coup ça génère, ça fait de la lumière, ça... voilà. Vous voyez là, là on arrive à juste une barre, c'est 7000. Bon. Voilà, c'est pas énorme, hein, avec des MK1, faire des blocs de netherite, c'est pas rentable. Parce que je pense que là, il faut 1-2 heures pour faire ça. Là, je sais même pas combien de temps de vidéo on est. Mais je pense que une heure, 2 heures dans des MK1, je pense que ça fait le taf, mais c'est pas énorme. C'est pas ouf, quoi. Sinon, on va slash time set day. Donc je disais, on va regarder les d'autres petits crafts. Vous avez vu que la poudre, cette poudre là permet de faire d'autres choses. Par exemple, cet item qui est très cheaté au début d'aventure, même qui est très cheaté n'importe quand dans l'aventure, que ce soit au début ou à la fin, c'est la pépite, quoi, qui se craft directement avec 3 poudres comme ça, 2 poudres de chat, quoi, 2 ficelles et un papier. Et vous avez vu, alors il y a écrit sur piédestal, mais vous quand vous l'avez directement dans votre inventaire, il répare les items des joueurs à proximité, restant 1 de durabilité toutes les 1 seconde. Ça veut dire que par exemple, je vais vous faire une démonstration. Vous prenez votre, vous n'avez pas envie d'abîmer votre pioche en netherite, vous prenez ce petit item dans votre inventaire, voilà, voilà. Donc, je me mets en survie, voilà, survival, et là, le truc, le, ça, t'as besoin, ni, ça consomme pas de EMC, parce qu'il y a certains trucs qui consomment de l'EMC, ça consomme rien, c'est juste un petit gadget. Vous voyez là, je mine, voilà, je mine, bon là, vous voyez que la barre est toujours verte, c'est normal, c'est parce qu'en fait là, là je suis en train de miner à une vitesse rapide. Mais par exemple là si je laisse, tu vois, hop, tu vois, la pioche elle bouge, ça veut dire qu'elle régène. Et vous voyez même que l'EMC remonte. Oui, parce que quand un item est cassé, l'EMC est plus faible qu'un item neuf. Donc vous voyez que là ça remonte tranquillement.
Donc si je me mets slash game mode créative, là vous voyez ça continue à monter. Et voilà, elle est toute neuve. Voilà, vous n'avez pas besoin de raccommodage, parce que déjà le raccommodage c'est ultra chiant à récupérer. Vous avez besoin d'XP en plus, donc c'est chiant de faire des farms à XP. Bah, vous avez juste à crafter ce truc, et puis ça restaure toutes les 1 seconde, un de durabilité. Et bah là, vous avez genre vous avez une épée, je sais pas, de la mort qui tue. Vous avez genre l'épée netherite full tranchant et tout, et vous avez pas envie de la casser? Non, pas du tout. Du coup, vous voulez raccommodage? Bah non, raccommodage, c'est trop chiant à avoir. Vaut mieux faire ce truc là. C'est une pépite. Donc c'est parce que, en plus, vu que quand vous en craftez, vous en avez 40, vous en avez juste assez pour faire tous les crafts en fait. Je sais même pas si c'est attentionnel de ce qu'ils ont fait là dans le mode. Mais c'est quand même très cheaté ce petit gadget. Donc voilà. C'est très facile à avoir quand vous avez eu les. Quand vous avez eu les poudres, après c'est ultra facile. Faut juste 2 ficelles et un papier et puis c'est bon. Sinon, on va regarder les prochains crafts. Donc vous voyez que vous avez des baguettes de sorciers. Et ouais, on est des sorciers. Donc vous avez la baguette de faible, moyenne et haute. Donc qui se craft bien sûr avec les poudres de tout à l'heure. Hein. Et oui. Donc on va tester les 3 et elles font la même chose. Mais genre ça n'aura pas les mêmes capacités que ça. Donc voilà. Donc par exemple, c'est très utile en minage. Genre vous creusez là comme ça. Et là vous faites un petit clic droit. Là vous voyez, il y a moyen pour 36 blocs. Vous avez bloc 1, là on n'a aucun minerai. Ah là on a 12. 12, je crois que c'est du charbon, non. Non, pas du tout. 12. Qu'est-ce qu'il y a 12? Moyen pour 36. 12. Donc ça a monté. Du coup 12, je sais pas, il y a peut-être du charbon dans le coin. Attends, c'est les modes spectateur, peut-être qu'on verra. Ouais, en spectateur on voit absolument rien. Des slash kill mode. Survival. Non, pas survival, créatif, pardon. Voilà, donc bon, je vous conseille de faire la haute, parce qu'elle vous donne beaucoup plus de choses. Là vous voyez. Vous voyez que EMC moyen pour 36, bloc 12, EMC max 16, EMC max de 1, 3, 1, ouais bon. Je ne comprends pas tout, mais par exemple si vous arrivez à baisser, ça doit être ça le truc. C'était ça qu'il avait vu. Donc par exemple si on va par là, hop, là vous voyez 1, 1, on n'a pas de bloc de... là oui, non, mais là c'est la diorite. On va mettre de la pierre lumineuse pour y voir quelque chose. On va la mettre dans la deuxième main. Voilà. Comme ça vous voyez quelque chose, parce que sinon avec YouTube qui assombrit tout, bah c'est pas ouf. Alors, on continue dans un tunnel un peu chelou. Et là vous voyez qu'il y a du granit, donc on va pas se mettre à côté. Voilà, donc on a pas grand chose. Hein. Je sais pas, peut-être qu'il faut descendre. Là, peut-être qu'on a quelque chose. Ah, attends. 128, il y a un truc là. Là. 128. 128, c'est du fer. Donc, voilà. On a enfin trouvé du fer dans le coin. Peut-être que... Donc, ça veut dire que dans le coin, il y a du... Ah non, c'était du charbon. Oh, la douille. Ah oui, parce que le charbon, c'est ça. C'est 128 et le fer c'est 256. Bon voilà, on a vu qu'il y avait du charbon dans le coin. Voilà. Je vous ai montré les baguettes comme ça, voilà. Donc vous voyez que la netherite, eh ben, on est à 14 000 mais ça a toujours rien. Donc là normalement... Ah oui, c'est en train de faire des blocs là, carrément. En train de faire des blocs, etc, etc. Là, on avait rien mis. Donc, on va passer aux prochains items. Donc, on va parler un peu de...
Ah, je sais pas, j'avais envie de faire exploser des bombes. Voilà, tout simplement. Voilà, comment ça se craft? Eh ben, c'est une TNT et un combustible Mobius et ça vous donne deux Nova catalyseuses. C'est énorme. Et après, avec un, ça veut dire que si vous avez deux trucs comme ça, vous avez du coup eu deux comme ça vous fait quatre comme ça. Donc voilà. Vous avez comme ça les petits crafts. Et vous avez aussi un autre petit craft. Vous avez vu qu'on a ça, lentille hyperkinétique. Ouais, c'est un petit peu what the fuck. Et le catalyseur de destruction. On va voir ça juste après. Voilà, j'avais envie de destruction. Voilà, tout simplement, on va prendre un petit briquet. Et là, je sais pas. Voilà. Voilà. Ah ouais, ça explose. Ça explose instantanément et ça donne tous les blocs. Voilà, tous les blocs. Donc là, vous mettez. Voilà. Voilà, vous mettez ça. Oui. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Bon, ça rigole pas. Hein. Ça a rien cassé. Ok, tranquille. Là, vous voyez que ça m'a donné tous les blocs. Tout, absolument tout. Vraiment, c'est n'importe quoi. Genre, déjà que genre une ça fait un petit trou de TNT, mais en fait la particularité c'est que regardez, les items sont attirés vers moi, donc c'est ultra pratique. Voilà, alors c'est ultra pratique, je vous dis ça, mais pour si vous voulez simplement que du fer, on verra ça juste après. Donc après vous avez la Nova, la supérieure. Et là, boum! Oula! Waouh! Ah ouais, carrément! Je pense que là. Ah ouais, ça a enlevé là, carrément. Je pense que là. Là, on va. Voilà. Tout simplement. Oh wesh! C'est quoi ce beans? What? What? Ah ouais, ça rigole pas. Moi, en vrai, vous avez 8 Nova Catalysme. On peut détruire une base. S'il y a un pote, bah qui est plus votre pote et qui vous a que vous voulez vous venger, bah voilà. Ça, c'est sa base. Un trou, voilà. Tout simplement. Bon, voilà, c'est pour un peu le côté explosif du mode. Donc vous avez vu qu'on peut faire d'autres petits crafts, donc 3 petits diamants, et 3 autres diamants, donc 6, 2 matières noires et une Nova catalyseuse qui permet de faire la lentille hyperkinétique de je sais pas quoi. Bon, t'as compris, c'est un truc un petit peu pété. Et vous avez aussi avec un briquet 4. Combustible Mobius plus 4 Nova catalyseuses. Vous avez le catalyseur de destruction. Ah oui, il va tout simplement vous détruire absolument tout. Donc on va mettre le jour parce que sinon on n'y voit absolument rien. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et on voit, vous voyez qu'il y a des petites barres. Ah, c'est vrai qu'il y a des petites barres. Il y a des petites barres et les petites barres, ben ça. C'est pas une barre de durabilité, oh non, c'est une barre de puissance. Vous appuyez sur V, et là vous voyez, la barre elle augmente, et poum, vous avez 3 niveaux, 4 niveaux on va dire. Et là, ouais, bon, on va. Et vous shift V pour enlever le niveau. Je vais juste vous montrer les effets. Juste en clic droit à niveau 1. Donc vous voyez là, clic droit, ça vous fait un 3 par 3. 3 par 3, 3. Donc si vous voulez descendre à une vitesse incroyable comme ça, bah vous pouvez le faire. Enfin, un genre d'ascenseur, voilà, tranquillement. Ah bah, on arrive tout droit dans de l'eau. Mais par exemple, on peut encore faire mieux avec les niveaux. Voilà. Prochain niveau, c'est ça. Et là, ça vous fait un plus grand trou. Et hop, un autre niveau. Et le dernier niveau, là je vous préviens, c'est jusqu'à la bedrock. Ouais, ça va jusqu'à la bedrock. Ah non, même pas. Bon, on peut très facilement aller à la bedrock. Voilà. En quelques clics, déjà on est à la deep slate.
On est déjà dans la deep slate, c'est... Y a du diamant. Ah merde, je viens de le fusiller. Eh oui, ça peut faire des couloirs. Si vous voulez faire des couloirs, ça peut être très pratique. Voilà, hop. Et voilà, bedrock. Voilà. Bon, après, c'est le void, hein. Donc on va boucher ça, j'ai pas envie de tomber. Il y a encore du diamant, bon voilà. Si vous avez envie de trouver du diamant comme ça, bah vous pouvez. Vous faites un truc comme ça là, hop. Hop, voilà. Il y a plus rien autour de vous. C'est ultra cheaté. Regardez, c'est tellement what the fuck. Voilà, vous faites un puits, vous défoncez tout autour de vous, voilà. Il y a même une lush cave. Ah ouais, d'accord. Bon, très facile pour trouver des lush caves, ok. Voilà. C'est un petit peu le kiff de destruction, hein. Si vous aimez la destruction, bah, je vous le conseille. Parce que là, bah, vous détruisez absolument tout. Vous pouvez faire des tunnels dans les montagnes, la petite colline. Pouf, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Oh my god. Ouais, je fais mon fou avec ça. J'adore cet item. Même si je l'ai pas encore dans mon aventure à moi. J'adore cet item. Voilà, tout simplement. Bon, excusez-moi, je me suis mouché. Je suis un peu enrhumé. Mais ça, c'est qu'un petit détail. Nous, on veut pas savoir que tu es malade. Ah, on veut savoir la destruction de l'autre truc. Alors, l'autre truc. Alors, ça marche. What the fuck? Tellement de trucs. Donc, vous voyez, ça marche avec la même chose. Sauf que ça envoie des boules. Ça envoie des boules. Vous pouvez faire à distance. Voilà, tout simplement. Là, et en plus, tout est attiré à vous. Voilà, tout simplement. Vous envoyez des petites boules, là. Genre, je sais pas... Kamehameha! Là, vous détruisez absolument tout. Ouais, j'avais pas d'idée. Par exemple, si on met là... attention, grosse explosion. Bah! Ouais, bon, c'est pas énorme, en fait. Mais par contre, si on spam, là. Si on spam, bah, c'est bon. Bah, c'est bon, vous avez votre propre caverne. Ouais, ok. Ok, bon, ça, apparemment l'eau, ça arrête ça. Donc si des gens veulent détruire votre base, bah mettez de l'eau, voilà. Parce qu'apparemment, bah ça aime pas l'eau. Voilà. Donc j'ai tout ça en premier parce que là j'ai beaucoup trop de trucs. On va passer au prochain truc. On va retourner vers le spawn. Donc on va voir tout simplement... qu'on a plein de petits bijoux technologiques. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est très utile. Faites-le au début d'aventure. La pierre philosophale. Ouais, je sais pas pourquoi je prends un ton comme ça, mais voilà, ça m'est pris comme ça, voilà. Posez pas de questions. Le dites en commentaire. Voilà, vous pouvez dire la vidéo, elle est bien, mais ne dites pas ce gars est chelou, hein, s'il vous plaît. Voilà, qui se craft comme ceci, un diamant, 4 poudres lumineuses et 4 poudres de redstone. Ça... bon, c'est super, voilà, tout simplement. Voilà. Et du coup, ça permet de faire quoi? Ben, ça permet de transformer votre terrain. Vous voyez, là, le bloc, il est blanc. Il est blanc. Voilà, et hop, vous voyez, là, ça s'est transformé en pierre taillée, carrément. Vous pouvez le mettre en pierre taillée et le remettre. Bon, après, vous vous dites, ça sert à que à ça, c'est nul à chier. Mais non, mais vous inquiétez pas. Vous voyez même en haut à gauche, là, vous voyez en haut à gauche. Eh ben, au niveau de mes FPS, là, on les voit même plus. Il y a écrit pierre. Ben voilà, ça se transforme en pierre, là. Ça se transforme en roche. Et du coup, en pierre. Et si on sneak, là, oui, un bloc d'herbe. Oh my god. Vous pouvez avoir des blocs d'herbe. Des blocs d'herbe. C'est magique, ça. Waouh. Et on peut faire un dessin, voilà, tout simplement. Voilà, je vous fais mon meilleur smiley. Voilà. Voilà, petit dessin. Je sais pas s'il est bien, mais voilà. Et on va lui faire un pif, mais en sable. Voilà, un pif en sable. Voilà, tout simplement. Vous voyez, quand vous cliquez droit, vous sniquez pas. Cliquez droit simplement sur de l'herbe, bah, ça va être du sable. Voilà, petit smiley de ma part. Voilà, tout simplement. Demain, les trous, c'est quoi ce pins? Bon, vous voyez que ça permet de faire plein de choses. Et encore avec V, vous pouvez maxer ça. Donc, vous pouvez faire changer le terrain.
Voilà, vous pouvez changer absolument le terrain. Vous pouvez sneaker, avoir de l'herbe. Vous êtes sur une montagne, par exemple, là. Par exemple, là, hop, hop, non. Hop, hop, voilà. Voilà. Votre montagne, bah, c'est de l'herbe. Après, si vous voulez des plus un décor de sable, hop, hop, on enlève toute l'herbe et on met du sable. Voilà, tout simplement. Voilà, là, vous avez plus envie de sable. Bon, voilà, c'est très utile. Voilà. Et ce qui est encore plus utile, c'est que il y a plein de petits crafts intéressants. Quête de fer pour une émeraude. Deux diamants pour de l'émeraude. Pour une perle de l'ender, pas une émeraude. Deux diamants pour de l'émeraude. Un pour quatre. Du charbon pour du charbon de bois. Vous pouvez faire plein de crafts aussi. Ouais. Comme ça. Qui sera très utile. On va direct le voir juste après. Et de l'or pour du diamant. Si vous n'avez pas de diamant, bah, et que vous avez de l'or, ben bah, voilà. Vous avez les torches d'interdiction. Ça, c'est hyper bien. Vous avez plein de petits crafts. Vous pouvez. Je vous laisse le découvrir tout simplement, en fait. Donc, la torche d'interdiction et la tablette de transmutation. Ça, c'est hyper bien. Alors, la torche, c'est pas juste une torche banale. Eh ben non. Ben voilà. Par exemple, admettons, là, il pleut. Donc, les zombies, ils crament pas. Ah oui, vous êtes en train de dire. C'est quoi qui est en train de me faire? Voilà. Ça va cramer les zombies. Mais pas du tout. Regardez. Et je mets une horde de zombies. Et je me mets au niveau. Slash game mode survival. Oh, pouf. Oh non. Oh non, qu'est-ce qu'ils sont cons, ils peuvent pas m'avoir. Ah ouais, mais vous êtes tout bête, hein. Eh oui, la torche, ça permet bah, de faire reculer les petits monstres. Donc, dans un rayon de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 blocs. Dans un rayon de 7 blocs, eh bah, ben tous les monstres ne pourront pas venir. Donc, si vous voulez une base où il n'y a aucun mob qui puisse venir, bah, vous posez ça et boum! Eh ben, il n'y a plus aucun mob. Bon, par contre, quand vous l'avez dans la main, ça marche pas. Donc, posez-le. Voilà. Je suis Dark Vador. Genre, vraiment, je contrôle la force. Attends, j'ai enlevé ça. Je contrôle la force. Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? C'est trop une pépite, ça. Ça propulse les mobs à une vitesse. Bon, aïe. Ouais, j'adore ça, c'est trop bien. Désolé si je m'amuse pendant la vidéo, mais c'est extrêmement bien. Voilà, il y a plus de zombies. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu veux? Je contrôle la force. Oui! Et lui aussi, il contrôle la force ou quoi? Il vient de se téléporter derrière moi. Pouah! Allez, dégage! Voilà, adios. Et là, normalement, ils sont tous morts. Ah non, pas du tout. Bon, je vais vous laisser crever dans ce trou. Moi, dans ce cas, je vais aller faire la suite de la vidéo parce que les gens, ils vont pas aimer la vidéo, ils vont pas liker. Et oui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Là, c'est ultra important. Je vois que les vues, ça vous plaît. Enfin, ça vous plaît. Je vois que vous regardez, mais vous likez pas souvent. Je vois que vous... peut-être qu'il y a des gens qui regardent mes vidéos, mais qui sont toujours pas abonnés. Donc déglinguez-moi. Le bouton abonné, il est rouge, il est beau, il est... Enfin, vous pouvez pas le rater, quoi. Donc, déglinguez-le. Et aussi, bah, surtout, bah, mettez des likes aussi. Enfin, voilà, la totale. Alors, bien sûr, je remets le jour. Et, je mets, tout simplement, clear. Voilà. Hop, il n'y a plus de trucs et vous allez juste crever. Voilà. Bonne nuit, au revoir, je veux plus vous voir. Donc on va passer à la suite de notre vidéo. C'est le transmute, le transmutation, la table de transmutation qui se craft. On avait dit, attendez, voilà, ça se craft comme ceci. 4 pierres et 4 obsidiennes. Voilà, c'est très simple. Et après vous avez la version avec de la matière noire, donc qui se craft avec 4 blocs. Mais ça c'est très compliqué, mais vous pouvez le faire. 4 rushs et le truc. Et là vous avez la table de transmutation, mais version portable. Donc voilà. Hop, voilà.
Donc, qu'est-ce que ça permet de faire? Vous voyez, on a l'impression qu'on est en train de faire de la magie avec de l'arcade et tout ça. Eh ben, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez. Du sable, de la pierre, ça, voilà, tout simplement. Je sais pas, tu veux du fer, tu mets absolument tout ce que tu veux, de la netherite. Tu veux, je sais pas, de la ficelle. Alors bien sûr, vous pouvez mettre tout, mais tout ce qu'il y a de MC, bien sûr. Parce que, par exemple, vous avez des trucs modés, par exemple, là, j'avais installé Toy Forest. Ben, ça n'a pas de MC, donc c'est parce que c'est pas compatible. Donc vous pouvez pas dupliquer, vous pouvez pas faire tout ce qui est en rapport avec Project 2. Bon, par exemple, je mets ça, pouf, et ça dit appris, et il apparaît là. Et il y a un de MC parce que la roche coûte un MC. Là, si j'enlève, ben, il y a zéro. Voilà, tout simplement. Si je mets le fer, ça fait appris, donc il apprend de nouvelles choses. Donc 256 MC, là plus la pierre, donc 257, logique. 258, sable. Oui, bon, là, hop, là, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Voilà, ça apprendra tout. Hop, vous pouvez mettre tout, absolument tout. Voilà. Et là, c'est envie. Bon, tant que vous avez de l'EMC, genre par exemple, oh bah je veux un peu de fer, donc je vais un peu rembourser. Hop, voilà, ça passe trop pris. Voilà. Bon, voilà. Vous arrangez, vous mettez quelque chose pour gagner de l'EMC. Vous et vous avez besoin de, je sais pas, 50 000. Pour un lingot, vous mettez ce qu'il faut. Hop, voilà, vous avez votre lingot. Voilà. Et après, vous avez la version portable qui marche exactement là. C'est la même chose, mais sous forme portable. Ce qui est trop bien. Et je crois que dans les donjons. Ou pas. Pas du tout. Je crois même pas. Je crois qu'il n'y a que en créatif qu'on peut avoir ça. C'est le tome de la connaissance. Dévoré toute connaissance de la transmutation quand appris. Donc ça veut dire que là, si je le mets là, pouf, appris. Et ça m'a appris absolument tout. Absolument tout. Là, il y a absolument tout. Tout. Ah, si j'ai envie d'avoir. Vous pouvez avoir de la maille. Vous pouvez. Alors que c'est très difficile à en avoir. Voilà. Je me balade avec ma maille, voilà, je me fais le full stuff maille alors que c'est censé être ultra rare. Voilà, vous voyez, Nether Star, vous voulez en avoir sans tuer de Wither. Et ben voilà, vous avez votre Wither Star alors que vous avez même pas tué le Wither. C'est ultra pété, voilà, tout simplement. C'est ultra bien, vous avez plein de trucs. Il y a même le truc du Warden, vous pouvez avoir un truc de Warden. Eh ouais, qu'est-ce que tu vas faire, petit Warden? Oh, voilà. Vous pouvez invoquer le Warden. Tout simplement. Bah voilà. Alors, sinon, on va passer à la suite de la vidéo. Je sais pas quoi, mais on verra. Ah oui, oh oui, ça va être pépite. Pépite. Pour les relais d'antimatière, j'aurais dû vous en parler dès le début de la vidéo parce que c'est ultra utile. C'est ultra utile. Donc, ça se craft avec 7 d'obsidienne. 7 d'obsidienne, un bloc de diamant et un bloc de verre. Et vous avez votre relais. On va prendre ceci. Hop, et on met le relais juste là. Et le relais, bah, il va stocker absolument toute l'énergie qui est là. Voilà, vous posez le coffre et après là, bah, là ça booste bien. On va dire que c'est un booster d'énergie. Bah, après, vous avez la version rouge, donc là, hop, là ça va stocker encore plus, toujours plus. Donc, vous pouvez le faire. Wow, 31 000, c'est pas énorme. Voilà. Vous mettez ça. Et là, vous voyez que. C'est censé. Ah oui, mais parce que c'est en train de faire ça. Bon, voilà, vous avez vu que ça a chargé. Là, poum, ça récolte tout. Et là, vous pouvez mettre ça et ça va charger, ça va charger. Ouais, bon, voilà. Voilà, c'est, on va dire, un truc. Et je vais vous montrer un truc. On va dire l'arbre.
l'arbre slash wither clear. Voilà, je répète, please. Je vais vous montrer l'arbre de l'énergie, je l'appelle comme ça. Vous faites un plié de 4, vous cassez tout. Vous mettez un coffre. Vous mettez des... voilà, vous mettez des... Alors, je me permets, hein. Voilà, je vous montre ça en rapide. Alors, non, c'est pas ça. C'est... Voilà. Voilà, c'est les relais. Vous mettez des relais comme ceci. Comme ceci. Encore. 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 Là aussi. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Et là, vous faites une genre de sphère. Une genre de sphère. Alors, vous mettez pas tout en haut, là. Voilà. Mettez comme ça. Voilà, vous faites une genre de sphère. Et vous arrivez là, vous pouvez accéder. Normalement, si vous entourez... Ah ouais, il est un peu mal fait mon truc en fait. Voilà, là ça fait plus une sphère. Je crois, hein, normalement. Voilà, et vous calez tout ça autour. Voilà, hop, vous calez tout ça. Hop, là aussi. Là. Hop. Voilà. Hop. Vous calez tout ça. Voilà. Comme ça. Vous enlevez tout ce qui est noir. Vous enlevez tout ce qui est noir. Voilà. Et vous remplacez. Vous mettez tout sur le noir. On remplace pas, on met tout. Ouais. Hop, voilà. Et dès que vous avez votre... Je pense qu'en fait, on peut même mettre un, en fait. Voilà, vous mettez là. Voilà. Et là, vous allez voir que là, c'est une pépite. Là, si par exemple, on prend notre netherite. Notre netherite, là, on l'a beaucoup plus facilement que avec les M15. Alors, what? Alors, attendez, je sais pas pourquoi ça bug. Alors, là ça devrait mieux marcher. Non, même pas. Qu'est-ce que c'est ce bins? Alors, c'est quoi le bordel? Ça marche pas. Genre, netherite. Ah, voilà. Voilà, vous mettez comme ça. Et là, 36 000 déjà. 36 000, c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Après, si vous faites un truc dans genre un peu build, vous mettez, vous faites, c'est l'arbre de l'énergie, un arbre sacré. Vous mettez quelques barrières comme ça. Voilà, en dessous. Hop. Et là, normalement, juste un clic droit là et vous pouvez accéder. Voilà, vous pouvez accéder. Hop, c'est l'arbre sacré. Voilà. Bon, il est très moche, mais bon, voilà. Je vous donne des idées de build. Si vous avez envie de faire des builds en restant avec ça. Parce que je vous conseille de pas mettre caché. Faut que ça soit directement vu de... Bah, de... par le soleil. Slash time. 7 day. Alors, désolé si la vidéo est longue, parce que le tuto est long. Voilà, tout simplement. Et du coup, vous avez vu que là, on a notre magnifique bloc qui est en train de se générer. Mais on n'avait pas parlé d'un MK2. D'un condenseur d'énergie MK2. Genre, non, on n'avait pas dit ça. Mais si, on avait dit, on avait parlé de ça. Hop, voilà. Et là, vous avez vu, c'est divisé en deux. C'est parce qu'en fait, genre, je vais dupliquer ça. Genre, je vais dupliquer ça, ça met de l'énergie, mais on peut booster. Vous mettez là. Alors non, là, non. Comment ça marche? Oui, je crois qu'on peut pas mettre la même chose pour avoir la même chose. C'est un peu logique. Genre, on peut mettre, voilà, matière rouge. Vous mettez ça ici.
enfin ici, voilà, boum, là, trois blocs de netherite, c'est énorme. Et là, vous arrivez avec quatre blocs. Voilà. Donc là, si vous mettez un stack, excusez-moi, mais boum, un stack. Alors là, là, si on imaginons, on fait ça. Bon, là, c'est parti à une vitesse. C'est énorme. Et là, vous mettez tout ça dans le transmutation et vous pouvez avoir de la matière noire, et etc. Tout ce que vous voulez. Ou, ouais, bon. Un beacon en netherite. Bon, voilà. Vous faites absolument tout ce que vous voulez. Moi, je vais passer à la suite du tuto. Comme d'habitude, parce que le tuto, il se fait pas en un clin d'œil. Alors, on va parler de quoi? Je pense qu'on va parler des armes et des armures. Alors, comment... Alors, déjà, il nous faudra du diamant et des matières noires. Parce que vous voyez, jambière, l'armure, elle se fait... Bah, c'est comme une armure normale. Alors, je déteste la pluie, je sais pas pourquoi. Wither, clear, ça doit faire la troisième fois que je le fais. Alors, vous voyez que ça se craft exactement la même chose, mais avec des matières noires. Voilà, vous faites la même chose. Et vous avez pareil pour les outils, sauf que les bâtons, c'est remplacé par des diamants. Voilà. Donc, vous voulez une hache, deux diamants, trois, etc., etc. Déjà, la matière noire, c'est très cheaté. Voilà. Voilà, vous mettez ceci, matière noire, vous prenez épée en matière noire, hop. Bon. L'armure est un peu pas hyper stylée, mais tant qu'elle fait, elle vous protège, elle a une puissance. Là, j'ai chargé l'épée, elle fait de 13 de base, elle fait 15 une fois chargée. Donc, c'est plutôt cool. Genre, par exemple, si on met quelques petits creepers, genre là. Des creepers. Voilà, on met plein de creepers à l'intérieur. Je vois qu'il y a un lapin, mais il va crever. Voilà, là vous voyez, il y a plein de creepers. Et bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dedans. Vous allez voir. Flash game mode. Non. Survival. Salut les petits creepers. Absolument rien sorti. C'est quoi ça? C'est absolument rien sorti, les amis. Slash game mode creative. Genre, si on prend des TNT, des bonnes vieilles TNT, qu'on se fait une genre de truc atomique là. Une bonne vieille bombe, voilà, à l'ancienne. On se prend un briquet. T'es slash game mode survival. Voilà, là on se laisse faire péter. J'ai senti absolument rien, les amis. C'est voilà, trop cheaté. Et en plus, aucune durabilité. C'est infini. J'ai même pas le truc qui répare, hein. Non. J'ai pas le truc qui répare. Sinon, mon briquet serait déjà réparé. Et bah non. Et testage game mode. Créative. Prenez, je sais pas. Enderman. Enderman, c'est plutôt puissant, je crois. Enderman, voilà. C'est pas Enderman. Ouais. Voilà, testage game mode. Survie. Alors, attends. On va peut-être s'en prendre. Un stack en fait. Voilà. On fait spawner plein d'Enderman et on s'en fout. Je sens absolument rien, les amis. Les amis, je ne sens absolument rien. Et moi, bah en attendant, bah je les fume. Normalement, je sens absolument rien. Déjà, si vous avez une armure en matière noire, c'était très cheaté. Mais je vais vous montrer que si vous l'améliorez en matière rouge et en matière rouge de gemme ou de je sais pas quoi, très cheaté. Bon, voilà. Et je crois que même une enderpearl, ça me fait zéro dégâts.
Bon, voilà, pour te dire, tu peux téléporter, ça me fait 0 dégâts. Voilà. 0, 0 dégâts. C'est... là, je game mode survival. Non, pas survival, mais je suis bête, moi. Non. Créative. Voilà, enfin. Voilà. Donc, après, juste après, vous avez la matière rouge. La matière rouge, mais c'est encore mieux. Parce que, bon, vous mettez votre casque et vous faites encore un casque en matière rouge. Voilà. Alors, la matière rouge, comment on l'a? Eh bien, c'est trois matières noires avec six combustibles alternatifs. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, vous avez votre armure. Donc, c'est exactement la même chose. Mais vous voyez que vous avez du speed en plus et plus de robustesse. Non, même pas. Je crois. Deux, non. C'est exactement la même chose, sauf que vous êtes plus rapide. Ouais, c'est 20% plus rapide, donc ça, on voit pas grand-chose, mais t'es censé être plus rapide. Ouais, t'es légèrement plus rapide, j'ai l'impression. Mais après, vous avez la sainte armure. Comment on la craft? Avec des gadgets, vous voyez, on a plein de trucs. On verra ça juste après, la dernière armure. On va voir plutôt les items. Vous voyez qu'on a des items un peu spéciaux. Voilà, donc les items, c'est les mêmes. Hein. C'est avec de la matière rouge, voilà. Mais vous avez quelques petits suppléments, on va dire. Le marteau, le katar, l'étoile du matin. Ok, très chelou, je savais même pas que ça existait. On va prendre la pioche. Là, ouf, on va prendre. Voilà. L'appel. Voilà, on va prendre même. Des slash. Des modes. Bon, j'ai laissé la pluie parce que vraiment, j'ai un petit peu. Oh merde. La flemme de enlever la pluie toutes les 5 secondes, les amis. Donc, vous voyez, vous avez le marteau qui marche comme une pioche. Mais qui, quand on le charge, un petit clic droit et hop, ça marche. Exactement. Aïe. Bon, par contre, ça fait mal. J'ai peut-être slash give netbar 70 gold den apple un stack, hein, tu sais quoi. Voilà. Voilà. Nous, on s'en fout, on mange des pommes. Et voilà. Vous voyez que on peut charger et boum! Là, ça charge. Ça charge. Ouais, ça a chargé même pas trop bien. Ouais, très, très, très chelou. Et là, vous pouvez vous faire un petit truc sympathique. Là, un peu de lapis, c'est très bien. Du fer aussi, je prends. Voilà. Alors. Après, pour remonter, c'est très compliqué. Ah, Macarena, c'est quoi ça? C'est très chelou. Je sais pas où je suis. What? C'est quoi ce truc? C'est trop stylé ça. C'est trop stylé. Mais attends, c'est... Ouais, bon, ok, ça doit être replanti, un truc dans le genre. Après, vous avez le Qatar. L'étoile du matin, je crois que c'est aussi un genre de pioche. On voit vraiment, slash game. Alors, on va remonter les amis parce que là on voit absolument rien. On est descendu à une vitesse les amis. C'est n'importe quoi. T slash game mode survival. T slash time set day. Ah bah tiens, des zombies. On va tester notre petit katar. Donc voilà, un coup pour un zombie, c'est énorme. Et là, je crois que. Aïe. Là, elle peut charger jusqu'à 28. Alors, s'il vous plaît, je voudrais remonter. Ok, la pioche, ça marche pas. Ah, si. Ok, la pioche, c'est juste un niveau de minage très élevé. Donc, voilà. La pierre, c'est absolument rien. Bon, par contre, la terre, ça fait rien. Avec la pelle, c'est encore la même chose. Voilà, vous voulez plein d'items de sable, là, voilà. Vous en avez à volonté. Et cette pelle est énorme. Et je crois que
Voilà, tuer tout, tuer les hostiles. Et là, normalement, je suis censé faire un truc. Je sais plus c'est quoi. Attends, attendez. Option. Il y a une touche spéciale avec. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Il est où? Project. Project. Y a pas de project? Non, mais ça se fout de ma gueule. JJ. JJJ. Journée map. Ah, project. Charge. Changer de mode. Boost effet. C'est M. Ok. Je crois que c'est M. Et là, normalement. M. Non. Ça. Ah, si. Ça a marché. Par contre, j'ai failli crever. Voilà, j'ai failli crever. Donc, ce que je vais faire, c'est remonter à une vitesse incroyable. Je ne vois absolument rien. Je sais pas si vous aussi, mais je pense que oui. Je sais pas où je suis, slash spectateur. Hein. Hop. Voilà, j'étais perdu. T/slash game mode survie vol. Alors, du coup, l'attaque ultime de mon truc, ça repousse. C'est censé. Ça repousse. Ah oui, voilà. Quand tu laisses M, voilà, ça fait. Il peut pas m'avoir. Donc, en gros, c'est un peu la même chose, mais il faut rester sur M. Ah non, il faut pas rester. Là, il peut absolument rien faire. Et normalement, il y avait un truc spécial, une touche spéciale, très, je sais plus. Ok, je suis rempli. Ok, je ne me souviens plus de la touche. Elle est censée tuer. Ah oui, non! T'es censé faire un truc. T'es censé attaquer de hyper loin. Ouais, bon, ok. Je me souviens plus. Mais à moins qu'ils ont changé le truc et que ça est censé faire que. Ok. Ça, c'est comme la hache. Ok, bon. Voilà. Après, vous avez la houe qui marche un peu comme tout. Vous la chargez au max et vous avez un champ directement. Vous avez juste à poser un seau d'eau au milieu. Et puis c'est bon. Voilà. Si par exemple là, voilà, là tout a été bêché. Voilà. Voilà. Tout simplement, voilà. Vous pouvez mettre absolument tout. Voilà, comme ça. Voilà. Bon voilà, c'était une démonstration. Alors il pleut donc ça marche, c'est normal. Voilà. Bon voilà, l'appel c'est la même chose. Enfin j'ai dit c'est la même chose. Ah oui. Aïe. Aïe mais ça se fait pas en fait. Et tout. Non, je sais pas. Bon, voilà. On a différentes armes. Très. Très, très, très. Bon, voilà. C'est très cheaté. Toi, tu vas arrêter. Voilà. Bonne nuit. Je te souhaite de beaux rêves. Mais je veux pas te voir. Voilà. Tout simplement. Donc, on va se remettre en slash game en créatif. Parce que là, on. J'ai trop de trucs. Ah, mais tiens, il peut pas m'approcher. Hein? Il peut pas m'approcher? Non, je sais pas. Ah non, c'est ça. Ah, tu sais quoi? Je suis pas de mob. Ah, les mobs, ils se sont envolés. J'adore cette torche. C'est vraiment. C'est vraiment le bijou de la technologie. Alors par contre toi,
vas t'envoler, s'il te plaît. Voilà, bonne nuit. Allez, au revoir. Tu ne peux plus venir. Voilà. Alors, bien sûr, ça marche qu'avec les monstres de style. Et ça ne marche pas avec les joueurs. Donc, si vous jouez avec un mode et que. Enfin, avec un sur un serveur avec ce mode et que vous avez la torche d'interdiction, ça enlève que les monstres de style. Donc, on va aller chercher les autres choses. On va aller regarder un petit peu les bagues, tous les trucs en fait. Absolument tout. Donc on va prendre. Alors ça, c'est le bracelet de fer qui sert absolument à faire tout. Enfin, à faire toutes les bagues. Voilà. Alors, donc il sert à faire toutes les bagues. Donc qui se craft. Non, qui se craft avec un seau de lave et 8 de fer ou une amulette volcanique. Sauf que l'amulette volcanique, c'est 3 matières noires et 6 seaux de lave. Et en gros, ça permet de jeter de la lave à l'infini, de retirer l'eau. Enlève les tempêtes de neige. Ok. Sur piédestal aussi. Et par contre, ça coûte 32 MC. Et du coup, il va falloir crafter ça pour avoir de l'EMC portable. Alors, pour faire ça, il vous faut un diamant et 8 combustibles Mobius. Qui vous fait une Clan Star Ain. Voilà. Et du coup, qui permet de faire avec 4, ça fait un deuxième. Avec 4, etc. Jusqu'à avoir le truc complet. Et du coup, bon, vous voyez que là, il est chargé au max. Mais pour le charger, genre par exemple, on va chercher notre amulette de lave qui donc nous demande d'avoir 32 MC, genre par exemple là, alors je sais pas, T slash time set day T slash weather clear, voilà, normalement là c'est censé marcher. Non, comment ça marche? Ah voilà, tu peux poser de la lave. Tu peux poser de la lave et quand tu fais R, voilà, tout simplement, bah tu peux ouvrir la mer. Ouais, ça fait tellement de bruit, c'est ouais. Donc là, la glace, ça disparaît, non même pas. Ok, c'est censé faire des trucs. On peut poser de la lave comme ça. On peut tirer des boules de lave. Alors, j'ai dit tirer. Par contre, ça coûte. Ça coûte. Ah, ça n'a pas utilisé parce que là, je suis en pierre. Donc, vous voyez, vous pouvez couper en deux. Voilà. Couper en deux. Couper en deux. Enfin, faire des trous, pas couper parce que. Voilà. On peut faire des trous. On peut faire des trous dans l'eau. Je sais pas si t'as envie de. T'as la flemme d'aller en bateau. T'es vraiment. T'es là, t'es en mode. Bon, allez. Hop, 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 hop. Ça dégage tout ça. Malgré tout ça, ça me fait laguer à mort. Et ça me fait même cracher. Non? Ok, je suis complètement. Complètement. Voilà. Ok, je suis sorti. On va arrêter de jouer avec ce truc parce que. Bah, c'est un petit peu. Un petit peu trop. Voilà. Mais admettons qu'on se met en survie. Slash game mode. Survival. Et là, normalement, si on fait R. Voilà. Non, même pas. Oula. Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément, carrément. Ah ouais, ça rigole pas du tout. Ouais. Ah ouais, ok. Même les boules, elles restent buggées. C'est tellement n'importe quoi. Slash game mode. Créatif. Mais par contre, je crois qu'en fait, c'est que sur piédestal.
Hein, c'est. Ouais. Ouais, bon, ça coûte 32 MC, mais apparemment, je sais même pas si ça a changé quelque chose. Par exemple, là, c'est 25 165, 824. C'est exactement la même chose. Ah, mais là, je suis désolé, mais. Bah, c'est buggé. Voilà, c'est tout simplement buggé. Bah, sûrement que le truc est encore. J'ai fait un volcan. J'ai fait un volcan sur la glace. Voilà. Je sais pas. Voilà. Voilà. Alors, donc, le Cleanster qui est censé pouvoir avoir. Oh, bon. Si jamais vous voyez qu'un truc qui a besoin de MC portable, ben vous prenez, vous craftez un truc comme ça, de. Voilà. Vous prenez, voilà. Donc on va pas trop s'attarder, on va regarder les bagues, le bracelet de trou noir. Trou noir qui se craft avec deux matières noires, un bracelet de fer, six ficelles, et vous avez votre petit bracelet. Alors à quoi il sert ce petit bracelet? Eh ben alors, il aspire tous les systèmes à proximité. Voilà. Donc là, j'ai activé. Genre, admettons qu'il y a de la pierre. Voilà, il revient directement à moi. Regarde, regarde. Regarde, c'est. Il me suit. Voilà. Tu jettes ça, il revient à toi. Reviens à toi. Là, tu t'approches. Ça fait fly le truc. Et il doit être tombé là-dedans. Non. Bon, sinon, deuxième truc, c'est que dans un coffre, bon, je vais prendre ça vu qu'on est rapide. Vous avez le piédestal qui se craft. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5 matières noires et 4 matières rouges. Voilà, donc vous pouvez le crafter. Et du coup, quand vous faites un clic droit, vous mettez ça et vous faites un clic droit. Et normalement, quand il y a des particules de feu, alors normalement, il y a des particules de feu. Et ben là, ça aspire. Voilà, ça l'a mis dedans. Donc ça peut être pratique dans des farms. Et donc voilà. Là nous avons. Bon là c'est un peu glitché. La pierre. Donc là je reprends la pierre, je la jette et hop, hop, tout est dans la. Là-dedans. Voilà, tout simplement. Le piédestal sert à plein d'autres choses. Vous voyez qu'on aura plein d'autres bracelets. Donc tous les bracelets, je crois, servent à faire quelque chose. On va passer au prochain. Le châtiment de l'archange. 4 arcs. Deux matières noires, un bracelet de fer, deux plumes, et puis bah voilà, c'est tout. Voilà, et du coup, qui permet, alors normalement, si t'as je sais pas, un monstre comme un zombie qui voudrait ta mort. Voilà, hop, t'as un aimbot, voilà, tout simplement. T'as un petit aimbot. Je tire absolument, c'est un aimbot très cheaté, très 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 cheaté. Genre, tu sais pas viser, mais tu vises. Voilà, très simplement, c'est très cheaté. Par exemple, tu le mets là, tu mets un clic droit, tu l'actionnes, et là, ça va tirer des flèches sur des ennemis. Regarde, il est en train de se faire marave. Bon, bien sûr, il en faut quand même pas mal. Alors, je disais, il en faut quand même pas mal. Genre, si j'ai envie de bien marave la gueule aux zombies, eh ben, il faut que je fasse ça. Faut bien sûr faire un clic droit à chaque fois pour activer le piédestal. Eh, il m'en manque encore 3. Genre, là, on va bien s'amuser, hein? Voilà, il suffit qu'il y ait un zombie. Hop, 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 il se fait défoncer. Ah voilà, vous avez une tourelle. Vous avez une tourelle.
va par là. Pourquoi ils vont là-bas? Sérieusement? Ils ont vu quoi? Ils sont attirés par quelque chose, on sait pas c'est quoi. Bon, en gros, s'il y a un zombie, bah il est mort, tout simplement. Il s'est fait défoncer. Toi là. Oh merde, il est mort. Bon, voilà. Vous avez un... Genre, imaginez une idée. En vrai, ça peut être une tellement bonne idée pour les farms. Pour tous ceux qui aiment faire les farms. Vous mettez des torches là. Vous mettez plein de torches. Et du coup, vous faites une farm et quand ça tombe... Quand genre, y a un truc qui fait en sorte que les mobs ils tombent juste là, et ben là ils sont obligés de rester là. Alors ouais, faudrait peut-être faire des murs. Voilà, faudrait faire des murs comme ça. Voilà, pour pas qu'ils s'enfuient quoi. Bon, en gros, vous voyez un peu le truc. Là, ils sont coincés. Faire un truc plus comme ça. Non, je peux même pas le toucher. Il est vraiment bugué. Mais admettons que... Ah ouais, d'accord. Admettons qu'il y a un zombie juste là. Et bah là. Là, les trucs qui tirent dessus. Voilà. On voyait ce que je veux dire, quoi. Donc, on va passer à la prochaine bague. La bague du bracelet de la déesse récolte. Qui se craft. Bien sûr, avec 4 arbres. Ou des fleurs. Enfin, 4 arbres. Et 2 fleurs. 2 matières noires. Et un bracelet de fer. Qui permet, quand activé, slash time. Day, voilà. Slash Wither, non. Wither with Wither Fear. Voilà. Donc voilà. Et du coup, par exemple, on a des champs juste ici et on met des graines. Des graines. Voilà. Donc, vous vous dites, putain, et c'est long ça. Et bah voilà, vous avez le truc dans votre inventaire et ça pousse tout seul, ça pousse tout seul. Et après, vous pouvez aussi, quand vous êtes pas là, vous mettez là. Hop. Voilà. Et ça replante tout seul. Et ça casse même juste au bout. Bon, par contre, il faudra faire un système pour que ça récolte. Un truc qui donne les graines. Bon, en vrai, c'est pas mal, ça. Donc ça, ouais, bon, en gros, vos plantations, eh ben, elles grandissent toutes seules, mais à une vitesse phénoménale. Donc, ce qu'on va faire, c'est passer au prochain truc. Voilà, au prochain. Prochain bracelet, l'anneau de feu. Anneau de feu, bah, moi, bien sûr. On va bien s'amuser, on va bien sûr tout brûler. Donc, 2 Mobius combustible là, combustible Mobius, 4 briquets, 2 matières noires et un bracelet de fer. Et puis, quand vous l'avez, bah, vous pouvez faire être le dieu du feu. Voilà. Hop, petit clic droit, normalement. Ah, voilà, vous appuyez sur G, et là, vous voyez, bah. Vous mettez le feu à n'importe quoi. Quand je dis n'importe quoi, bah voilà, voilà, il y a le feu absolument partout où tu vas. Genre là, tu vas là-bas, la neige elle n'existe plus. Là, il y a tout qui brûle. Là, la forêt, bah elle n'existe plus. Tu es une boule de feu vivante. Mais par contre, petit problème quand t'as survie, c'est qu'en fait. Comment dire, tu crains le feu, donc quant à ça, faut mieux l'activer, mais très peu de temps, juste pour mettre le feu, mais sans être dans le feu, parce que sinon, bah, c'est pas cool. Vous voyez, on a rien de temps, j'ai foutu la forêt en l'air.
Voilà, alors pas très cool de ma part, mais bon, voilà. Ah, il y a déjà plus de feu, d'accord. Ah, ouais. On va peut-être arrêter le feu là, parce que c'est bien cool, mais c'est. Et du coup, quand c'est sur un piédestal, bah, ça met feu à tous les mobs. Donc, vous avez qu'à trouver, je sais pas, vous voulez faire une farm à vaches, bah voilà, vous faites un truc, et quand les vaches, elles. Un système, quand les vaches elles arrivent, eh ben, elles crament et ça vous fait du steak qui est récupéré par des entonnoirs. Bon, voilà, hop, on active ça, on prend une vache. Donc, imaginons le système. Voilà, hop, Non. alors merde, Non. ah si, ça marche, tu vois, Non. elle prend feu. Non. Et du coup, après ça, ben hop, t'as du steak et hop, ça c'est très bon. Voilà, t'as mangé ton steak. Bah, le steak il est bon, voilà, parce que c'est du steak bio. Voilà, j'avais pas d'autres arguments. Donc, après, t'as le anneau zéro qui fait exactement le contraire de l'anneau de feu. Donc, éteint les entités, gèle les environs et il s'active toutes les 2 secondes. Donc, ça a plusieurs formes. G. Donc, là, vous voyez, là, je suis le maître de la glace. Voilà, tout simplement. Et là, je peux absolument booster le truc et boum. Et ben voilà, là, la neige est tout autour de moi. Du coup, ça éteint tous les mobs autour de moi. Ça gèle les environs, donc ça met de l'eau. Et en plus, atout qui est très bien foutu, c'est que tu mets de la glace, donc tu peux te balader. Il faut faire attention. Parce que là, c'est bien cool, mais ça génère pas trop. H24, un qu'il est au max. Hein. Donc voilà, ça gèle absolument tout. Et du coup, sur piédestal, c'est pas marqué, donc je crois pas qu'il y ait un truc avec piédestal. Sinon, on va faire avec le grand vent déchirant du loup agile, qui permet de foudroyer les monstres proches et aussi de. What? Alors pourquoi ça change de couleur? Alors attends, il y a un truc, je sais pas du tout. Regarde, ouais, ça change. Quand t'es dans les airs. Ok, on va tester tout ça. Quand tu fly, ça s'active. Mais est-ce que quand tu tombes. Non, quand tu fais, ça s'active. Ok, très très bizarre. On ira tester ça plus tard. Parce que la dernière armure permet de fly. Si par exemple nous mettons ceci et qu'on là et qu'on l'active, et bah normalement, petit zombie, bah, on te martyrise comme toujours. Hop, ah merde, ah oui, c'est vrai. Voilà, là tu prends des orages, et c'est toutes les 3,5 secondes que ça foudroie les ennemis. Bon, voilà, déjà avec 3 éclairs il est mort, donc je pense que. Regarde! Il s'est fait défoncer. Voilà. Il est complètement dead. Hop, et il est mort, voilà. Et du coup, c'est à nous. Clic gauche pour reprendre l'anneau. Quand vous faites un clic droit, et ben les mobs ils sont repoussés à l'infini. C'est un peu comme tout à l'heure on a vu. Du coup c'est pas mal ça. C'est comme les torches d'interdiction. Bah le creeper bah il est coincé. Il s'est même. Ah ouais, il s'est carrément envolé. C'est genre what? Ah, il s'est fait fumer par lui. D'accord. Et genre par exemple. Oh. Je sais pas, genre, admettons que l'Enderman, là, j'ai envie de le buter, ben, on le met là, contre. Non, on peut pas. Par exemple, toi? Non? Là, on s'approche. Là, t'es censé t'envoler, en fait. Voilà. Là, c'est ces petits bijoux technologiques qui permettent de faire fly les autres. Et ce qui est bien, aussi, c'est que... Flash game mode. Non, pas créatif.
survival. C'est-à-dire que les squelettes peuvent pas te toucher vu que les flèches sont un mob. Aïe. Par contre. Quoi? Pourquoi ça ne marche pas? Je sais pas pourquoi. Ah, parce qu'il faut stocker. Du coup, en gros, ce qu'il est en train de nous dire, c'est que... Non? Ok. Alors, peut-être que si je le mets là... Ah, merde. Ah, ben, ouais. Ok. Très bizarre. Avant, dans les anciennes versions, ça marchait sans EMC. Du coup, c'est pour ça que ça m'a perturbé. Ça marche très très bien. Mais il faut EMC stocker. Ah. Ah, ça marche que pendant un certain temps. Très bizarre. Si on le... On peut pas? Très très bizarre. Pourquoi cela ne marche point? Ouais, ça donne de l'énergie, mais... Oui! Ouais, très bizarre. Bon, excusez-moi, mais bon, ça consomme de l'énergie, apparemment. Donc, quand tu le craftes, il y a 64 EMC. Bon, là, c'est à l'infini. C'est 64 EMC, mais le problème, c'est comment on fait pour... Bah, pour avoir de l'EMC... Ok, comment avoir de l'EMC à l'inf... Comment? Parce que c'est très cool. Donc on fly, c'est un truc slash fly. 7. Veille, voilà. Donc en gros, voilà, ça repousse les ennemis. Donc toi, je vais te mettre dans le trou. Bye. Non, j'adore faire ça. Donc voilà. Donc moi, je vous conseille de le mettre plutôt là, parce que c'est un peu cliché. Voilà. Sur les piédestals, parce que c'est un petit peu glitché, donc excusez-moi, hein. J'essaie de trouver, mais bon, voilà. Après, t'as la montre du temps qui coule, on sait pas pourquoi. Donc, une montre, 2 obsidiennes, 4 matières noires, 2 pierres lumineuses, et puis voilà, bah voilà. Et du coup, avec ça, bah vous pouvez avancer rapide. Donc là, ça avance, rembobinage. Alors, vous le voyez pas parce qu'il fait weather clear. Hop. Donc là, vous voyez le soleil. Il est juste là. Il est beau. Hein. Et ben, hop, avance rapide. Là, ça avance très rapidement. Très, très rapidement. Vous voyez, carrément, le soleil se téléporte, la logique. Et sinon, t'as rembobinage, ça renvoie le soleil en arrière. Donc, si tu vois, si tu préfères la nuit, tu préfères le... Bon, voilà. Et après, sur piédestal, donne 18 ticks de bonus à chaque bloc proche. Et les mobs avanceront plus vite. Du coup, il y a un truc ultra bien à faire. C'est vous placer plein de machins comme ça. Hop. Tout là-dessus. Hop. Hop, voilà. Vous placez là comme ça. Vous placez là ici. Voilà, je sais même pas si on peut placer là. On peut placer là, voilà. Voilà. On peut placer en dessous. Voilà.
Par contre, on pourra pas accéder, donc on va mettre là. Voilà. Là, normalement, tout est bon. Enfin, presque. Donc, voilà. Vous mettez plein de piédestals, donc ça coûte cher, ça coûte cher. Mais vu que ça donne 18 tics, ça vaut le coup de faire ce truc. Ça sera très long. Mais là, vous avez amélioré votre truc. Vous mettez ça, et boum, là, ça active encore plus. C'est encore plus rapide. Et du coup, si par exemple je prends des montres et que j'en mets la blinde, voilà, je mets la blinde, hop j'active. Bon, vous faites tout ça à tout, et là normalement là vous avez votre truc. Regardez, c'est énorme. Là on peut encore continuer. On peut continuer. Vous mettez encore. C'est extrêmement très cheaté. Voilà. Alors, merde. Celui-là. Bon voilà. Et là. Regardez-moi. Ça va à une vitesse extrêmement très rapide. Et encore là, j'ai pas tout fait. C'est n'oubliez pas, il faut qu'il clique droit, et quand vous entendez le petit bruit twing ou je sais pas quoi là, et ben ça veut dire que c'est bon, enfin qu'il est activé. Pour aller plus vite, vous faites un double clic. Voilà. Là, regardons. Ça va à une vitesse. Vous vous rendez pas compte, mais ça produit des millions de MC là. C'est bon, voilà. Vous faites absolument tout. Là, votre arbre, il est extrêmement pété. Voilà. Rajouter encore là, j'ai oublié. Bon, voilà. Vous avez compris le système, je pense. Et là, bah, vous êtes un petit peu devenu le maître du temps. Voilà, avec cette nouvelle ajout. Déjà, si vous en mettez un tout en haut, ça va pas activer tout. Voilà, bon, voilà. Vous avez donc l'amulette maternelle qui sert à. Voilà, qui se craft 3 matières noires, 6 buckets of water, des seaux d'eau quoi. Et du coup, quand vous avez ceci, ben, c'est exactement le truc de la lave. Donc vous pouvez. Vous pouvez envoyer de la lave, mais ben, là vous pouvez envoyer de l'eau. Voilà. Alors, par contre, voilà. Je sais pas si ça gèle les environs. Non, je crois que c'est juste des sources d'eau infinies. Donc vous pouvez mettre de l'eau absolument partout. Voilà. Donc là, vous avez une belle chute d'eau. Bon, là, ça lag un peu, mais voilà. Là, enlevez ça. Là, le petit bazar que vous avez mis, bah vous enlevez. Je sais pas si. Ah si, ça a enlevé toute la lave. Non. Ah non. Là. Voilà. Là, ça enlève toute la lave. La qu'on a mis là, le jeu qui en va disparaître. Voilà, tout simplement. C'est. Voilà. Il n'y a plus de lave, il n'y a plus rien. Des îles. Voilà. Bon, on va arrêter de jouer avec. Hein. Donc là, je vous rappelle toujours. L'amulette volcanique, c'est la même chose, mais avec de la lave. La gemme de densité éternelle, vous allez dire, mais c'est quoi ça? C'est la même chose que tout à l'heure. Non, non. Alors, là, alors déjà, comment ça se craft? Ça se craft comme ceci. 5 diamants, 2 matières noires, 2 obsidiennes. Voilà. Vous avez votre densité. C'est la même chose que le bracelet. Ça attire absolument tout vers vous. Donc voilà, hop. Hop, vous activez. Alors, voilà, là c'est activé, je crois.
sauf qu'en fait, j'ai pas mis de liste blanche et de liste noire. Donc ça, c'est plutôt... Ah ben, tu vois, ça l'a renvoyé. Donc ce qui est bien, c'est que, par exemple, je veux que le charbon et le fer, voilà, le charbon et le fer, vous mettez liste noire, vous mettez ça, le granit, le gravier, voilà, vous mettez tout dans liste noire, voilà, et liste blanche, et ben vous mettez votre charbon et votre fer, et là vous enlevez, bon ça, voilà, vous enlevez ça, et là normalement si je prends par exemple le super marteau de la mort qui tue, voilà, je me mets en survie slash game mode, survie vol, voilà, et que je l'active, j'ai dit que je l'active. Et vous pouvez aussi choisir la cible. Du coup, ça fait au bout d'un certain temps, ça va générer. Donc, en gros, donc on veut des lingots d'or, par exemple. Et du coup, ouais, bon, par exemple, on veut des diamants. Alors, donc, on va activer ça. Hop, on récupère ça. Ah oui, parce que je l'ai pas mis dans liste noire. Pourquoi ça me fait ça? Ok, ouais, c'est très bizarre. Pourquoi ça marche pas comme avant? Il change tout, c'est très chiant. J'ai juste envie de me suicider. Oh, ok. Ok, d'accord. Aïe. Oh, les animations, c'est trop stylé avec ça. Mais par contre, dégagez. Ça fait combien de dégâts? 18. C'est bon, ils ont combien de HP? Ah, merde. Là tellement bon normalement excusez-moi un peu enrhumé, donc normalement vous mettez liste noire, liste blanche, vous l'activez, qui est très bizarre, vous l'activez. Voilà, donc, par exemple, on fait que de la pierre. Voilà, de la pierre. Bon, on va pas, ça sert à rien de mettre ça. On veut de la pierre. Et on veut pas la liste. La liste noire. Eh ben, ça va être ça. Et ça. Et là, ça a fait des lingots de fer. Parce que j'ai choisi. J'ai choisi. Voilà, lingots d'or, on veut. On veut des diamants. Ou on veut matière noire. Ou on voit du fer. Et du coup, là. Hop. C'est tellement énorme. Que là, regarde. Là, c'est en train de me faire des trucs. Et du coup, là, si j'ai envie de changer. Eh ben, je fais G. Lingots d'or. Ou du diamant si j'ai envie. Voilà. Hop, 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 hop. Vous me donnez tout, absolument tout. Donc voilà. Là, je suis déjà à 3 diamants en très peu de temps. Donc c'est pratique si tu veux des diamants. Voilà. Voilà. J'ai déjà 4 diamants. Voilà. Je peux me faire une pioche, une tas de. Bon voilà, je peux me faire plein de trucs. Alors pourquoi je peux pas mettre ça? Ok. Ah parce que ça a pas de MC. D'accord. Là j'ai déjà 5 diamants. C'est pas mal. Donc voilà. Donc en gros. Après. Vous avez.
Alors, c'est peut-être pour ça que je confondais. C'est peut-être parce que, en gros, avec ça, tu peux faire avec deux et deux matières rouges, les deux là, et une matière rouge, tu fais l'anneau du vide. L'anneau du vide, ben c'est encore la même chose, mais en je pense en mieux. Parce que là, tu peux mettre liste noire et liste. Donc, je veux de la. Je veux pas de la. Je veux du gravier, non. Je veux du granit, mais pas de diorite, voilà. Donc liste blanche, je veux ça. Enfin, non, on avait dit l'inverse, mais bon, c'est pas grave. On avait dit ça, et dans liste noire, on voulait pas ça, voilà. Et du coup, là, j'ai. Là, on peut faire plus de choses, je crois, non? Bon, on va mettre lingot de fer, et genre, si on drop ça, et qu'on drop ça, et drop ça, et qu'on fait. V, non? Pourquoi à chaque fois? Je récupère ça. Voilà, et là c'est bon, shift clic droit. Et là tu vois, là ça a déjà fait des trucs. Et du coup là si je fais shift clic, voilà, hop, voilà. Et du coup là si je me mets, voilà, là ça va faire plein de fer. Hop, et là t'as plein de fer si t'as envie de fer, voilà. Là c'est très pratique. Si vous avez déjà les deux. Et en plus, je crois qu'en fait, c'est sur piédestal. Ça, là, c'est liste blanche. Et sur piédestal, ça aspire dans un coffre. Donc, ça peut faire les deux. Voilà. Donc, voilà. Vous avez autant de fer que vous voulez. Voilà. Là, j'ai déjà eu deux stacks. C'est énorme. Donc, après, nous avons. On en était où? Ah, ça. Ah oui, l'œil mercuriel. Je crois que. Alors, l'œil mercuriel, ça se craft avec 1, 2, 3, 4, 5, 5 briques, une matière rouge, un diamant et deux obsidiennes. Et du coup, on peut bien sûr augmenter la puissance ou la faire descendre. Alors, slash des modes survival, je crois. Non, alors, je crois qu'il faut monter au moins d'un minimum de 1. Pourquoi ça ne marche pas? Ah, c'est que en mode créatif, d'accord. Ok, Clash Game Mode créatif. Mode création, qu'est-ce? Ouais, ok, et peut-être en développement, mais c'est censé. Ah, oui, non, mais je suis bête en fait. En fait, je suis censé avoir. Oui, je me souviens. T'es censé avoir ça. Voilà, t'es censé avoir ça. C'est censé faire on va dire. Ah oui, parce qu'il faut le clé, le truc comme ça. D'accord. Du coup, c'est pour ça qu'on a besoin. Slash slash Wither. Oh là là, Wither. Non, c'est n'importe quoi. Clear slash time set day. Voilà. Et si je me mets slash game mode survival. Passer en mode extension. Mode classique. Transmutation. Or ça ne marche plus comme avant. Alors vraiment désolé parce que les anciennes versions, c'est pas comme ça dans mes souvenirs. Slash, qu'est-ce que je suis vraiment perché, moi. Je suis vraiment perché. Voilà, on va passer à la prochaine chose, hein. Vraiment désolé, hein. Il y a des choses qui ont changé, et je sais pas, ça.
Ah oui, c'est vrai qu'on... Je sais même plus si on avait testé ça, c'est la fusion des deux. La même chose. Mais en beaucoup plus puissant. Ouais. Genre là, là, tu vois, il y avait du lapis, ben on l'a eu. Ça va jusqu'à... je sais pas où. Jusqu'à là. Genre là, on va faire un test. On va voir... je me mets là et je vais, ça va traverser la montagne. Attends, sérieusement, ça va traverser la montagne? Ça va traverser la montagne? Non. Ah, c'est pas infini. Ok. C'est en deux clics. Hein. Deux clics. Et puis après, je crois que c'est un clic pour aller juste à la bedrock. À moins que tu sois très haut. Ok, ça lag. Ça lag. Ok, les amis, ça lag. C'est pas ouf, ça. À moins que c'est parce que j'ai plus de place. Ah, si. D'accord. Non, ça va pas jusqu'à la bedrock, ça va jusqu'à la deep slate. Et après, un coup sur la deep slate et ben, on est à la bedrock. Voilà, tout simplement. Voilà, un coup. Là, on a plein. Ouf. Deux coups. Là, je suis sûr que tu te mets en spectateur, tu vois, c'est un gruyère le truc. Bon, on va arrêter le joujou avec ça, même si j'aime bien tout détruire. Voilà. Donc après, nous avons les pierres. Alors, pierre du corps, du coup, quand on l'a dans la main ou même sur piédestal, ça permet de restaurer la faim des joueurs à proximité d'un demi-gigot toutes les demi-secondes. Et pareil pour ça. Donc, ça, c'est un demi-cœur. C'est la même chose, mais un demi-cœur. Et là, c'est aspire l'XP à proximité vers la pierre. Donc, ça, en gros, ça vous prend toute votre XP. Donc c'est pas mal pour stocker de l'XP, parce que on va pas se cacher qu'on arrive au niveau 30. Après, c'est très long d'avoir des XP. Donc quand tu arrives au niveau 30, tu aspires toutes les XP, tu refermes 30 et du coup là t'as 60. Et voilà. Et t'as la pierre de la vie qui restaure la faim et la vie. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je ne crois pas ça a besoin de NC. Voilà, tout simplement. Du coup, après, on avait dit à la fin avec ça là. Donc, tout ça se craft avec un cœur de matière rouge, une pierre de lame. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous montrer comment ça se craft. Alors, ça se craft de matière rouge, un lapis et 6 sucres pour le truc de la fin. Après, nous avons la pierre de l'âme, donc qui se craft la même chose, donc deux pierres, enfin deux matières rouges, lapis azuni et 6 poudres de lumineuses. Après, on a la pierre de l'esprit qui se craft la même chose mais avec des livres, voilà. Après, nous avons la même chose encore, je crois. Non, et là c'est les deux, voilà, c'est les deux, ça se craft les deux. Voilà, donc, hop, comment craft-on ça? Alors, c'est un Clean Star Omega, une amulette de la mare éternelle, et une pierre de l'âme, plus le casque rouge, et ça vous fait ça. Comment craft ceci? Ça se craft avec le plastron, la pierre du corps, le Clean Omega et l'amulette volcanique. Les jambières, ce qui se craft avec la pierre du temps, enfin la montre du temps, Clean Star Omega, un bracelet de trou noir, et les jambières de matière rouge, et les bottes qui se craft avec deux grands vents déchirants de loup agile, le truc qui permet de faire des éclairs, le Clean Star Omega et les bottes. Et du coup, bah, quand vous le mettez, on se sent déjà puissant, même en créatif. Là, bon, ça change rien. T'es juste un peu moche, mais très cheaté.
Ah, ouf. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça se sent. Ça se sent. Ça se sent que là, t'es rapide. T'es rapide à une vitesse, mon gars. Et en plus, quand t'es à côté de ça, t'es encore plus rapide. Non, même pas. Donc, par exemple, la Netherite qu'on a mis là. Et là, on est à... Ah ouais, ok. Donc voilà, on a une super armure. Ça permet de planer. Alors, je me mets en survie hein, pour vous montrer hein, que je ne cheat pas. Regardez, je fly. Je sais pas, même pas. Je sais même pas si je prends des dégâts de chute. Donc, c'est ce qu'on va tester. Non, même pas. On a l'impression d'être en apesanteur. T'as un genre un jetpack, je sais pas ce que t'as, mec, mais. Oui! Vraiment. C'est genre, tu peux fly. Bon, un peu chiant pour revenir en arrière. Et je crois que double saut. Voilà, là, tu peux vraiment fly comme en créatif. Ça se voit que là, t'es bien pété. Genre, là, juste. Attends, j'ai envie de me laisser tomber. Voilà, je suis en survie. Je fly. Et je crois qu'il y a même des trucs. T'as vision nocturne avec ça. T'as. Résistance au feu. Tu peux monter le bloc avec saut automatique. Bon, j'aime pas ça, les sauts automatiques. Là, je me laisse tomber. Est-ce que je vais crever? Si je crève. Alors, je suis même en apesanteur, là. Je ne crève pas. C'est impossible de crever. Voilà, impossible. Mais très cool pour visiter le monde, là. Je peux me barrer à une vitesse. Ouais, c'est tellement rapide que j'ai dépassé la, les chunks de les générations de chunks. C'est tellement what the fuck que regardez, en 2 secondes, je suis déjà là au début. Voilà, donc là, après, je crois que t'enlèves un truc. Genre, je crois que c'est ça. Non, même pas. Ça change absolument rien. Donc vous voyez, on arrive à la fin de la vidéo les amis. On va voir le truc là. On est à 77 000, même pas 1. Ça veut dire que je sais pas, on doit être à 1h30, 2h de rec là. Ça a toujours rien fait en fait. C'est tellement what the fuck. J'ai même un petit peu tout détruit là. Bon, c'est pas grave. Slash game mode créative. Si la vidéo vous a plu, la présentation du mode vous a plu, j'avais envie de faire cette présentation de mode parce qu'il est ultra bien, même si on va pas jusqu'au fond à faire genre l'arbre du temps qui fait de la duplé au max, mais genre qu'on fait genre au moins le MK2 niveau 2 là, et qu'on fait du petit un petit peu de duplé, ça peut être cool des fois. Rien que la table de transmutation, ça peut être cool. Genre là, si j'ai envie, je peux avoir absolument tout ce que je veux. C'est pas mal, hein. C'est pas dégueulasse, hein. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à partager. Ça ferait super plaisir et merci d'avance à tous ceux qui le feront. Ça fait toujours plaisir. C'était NatBar70, on se retrouve pour de nouvelles vidéos. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine fois. C'était NatBar70, ciao les amis!